Alors, j'ai 2 minutes pour vous enseigner comment créer une application mobile sur Android Studio. Tout d'abord, allez sur le site developer.android.com pour télécharger le logiciel développeur Android Studio sur Windows. Et vous avez aussi des guides d'utilisateurs. Ici, je vous montre sur cette fenêtre comment importer une image pour qu'elle apparaisse sur votre application mobile. J'ai pris pour exemple l'image du chien Lassie, chien fidèle, que je passe par l'arborescence file au niveau des ressources et que je mets dans le dossier Draw pour pouvoir que l'image du chien apparaisse sur l'application. Sur cette fenêtre de l'activité principale où on remarque une ligne de codage soulignée en rouge avec un point d'exclamation rouge qui montre une erreur de programmation. Maintenant, on va créer un nouveau projet. On va l'appeler My Application Teach. On clique sur Next. On choisit un minimum SDK pour téléphone ou tablette d'un minimum de API 20. On choisit une activité vide qu'on appelle Main Activity et on clique sur Finish. Pour finir, j'ai pris l'exemple de mon application qui s'appelle Je t'aime avec du texte, une image, un cadrage et ensuite j'ai branché mon téléphone par un câble USB. J'ai lancé l'application et le résultat est la capture d'écran de mon téléphone, celle-ci. Voilà, merci, merci à vous, merci à Google et merci à Udacity.